Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ça fait vraiment plaisir. Mais avant de commencer, n'oublie pas de mettre le petit like sous cette vidéo, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien évidemment, le commentaire pour pouvoir participer pour gagner ce magnifique blister ce mois-ci, tirage au sort le 1er novembre 2023. Alors aujourd'hui, on va parler des séries qui sont assez cool à ouvrir, des séries bien évidemment récentes. Franchement, je mets toujours des blisters, des tripacks de côté pour pouvoir me faire un kiff plus tard, parce que généralement les séries elles sortent, vous l'avez 3-4 mois et après vous la trouvez de moins en moins, à part s'il y a du restock, du réappro, etc., etc. Comme EB7, les stocks, c'est pas resté longtemps. 151, les séries, souvent les séries 0.5, elles ne restent pas longtemps. Donc voilà, on en ouvre sur le moment pendant 5-6 mois et après on n'en ouvre plus. Comme par exemple, dans 2 ans, du Flamme Obsidienne, vous n'en trouverez plus. Voilà, les blisters seront un minimum 10, 15 euros, on ne sait pas. Enfin bref, mais ce ne sera pas courant, ça c'est sûr. Bref, dans ce petit carton là, il y a de belles séries à ouvrir. Alors, je vais le carton. Et j'ai mon petit stock. Je vais vous montrer mon petit stock de blisters. Voilà. Et on commence avec une belle série à ouvrir qui pour moi est trop sous-côté. C'est Astre Radieux. Surtout qu'il y a de très belles illustrations au niveau des boosters. Ça, c'est vraiment dinguerie. Certes, ça coûte pas trop, mais ça fait que d'augmenter petit à petit, tout simplement parce qu'il y a vraiment de très jolies trainer galeries à pack, mais aussi des alternatives. Enfin bref, le D'Artagnan alternatif, il est vraiment magnifique. Allez, on range ces petits blisters-là. Alors, j'ai toutes les illustrations normalement. Ensuite, une série qui pour moi est une des meilleures sur épée bouclier, c'est tout simplement Origine perdue avec le Giratina alternatif et le Rayquaza en. Non, c'est pas le Rayquaza qui a, je sais plus, la TG Trainer Galerie. Magnifique, je sais plus c'est laquelle, mais je sais qu'il y en a une dedans. Bref, ça c'est gros banger, vraiment. Bah, c'est le Pikachu TG, je crois. Enfin, bref. Franchement, ces séries là, ça fait vraiment plaisir à ouvrir. On a encore du Origine perdue. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut poser les boosters, je crois pas. Bref, il y a pas mal d'Origine perdue. Et bon, on a du Origine perdue et du Astre Radieux. Bref, je voulais aussi vous partager une série très cool à ouvrir. Bien évidemment, c'est du Tempête Argentée, mais je n'en ai pas sous la main. Sans oublier, bah, bien évidemment, du Star Étincelant. Voilà, il y a beaucoup de cartes à aller chercher. Franchement, les 4 dernières séries du bloc épée ou bouclier à partir de EB, enfin à partir d'Évolution Céleste, franchement, c'est du gros banger. Par contre, EB7, EB8, très très dur, pardon, le taux de drop. Ça, voilà, bref, je vous conseille pas, mais par contre, après la suivante, c'est-à-dire après de EB9, c'est-à-dire Star Étincelante, franchement, faites-vous plaisir. EB9, EB10, EB11, EB12, ces 4 séries, c'est banger. Star Étincelante, Origine perdue, Astre Radieux, Tempête Argentée, vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il y a un très très bon taux de drop. D'ailleurs, j'ai eu pas mal de cartes. Donc voilà, vraiment très content de ces séries-là. Je ne sais pas si vous en ouvrez encore à l'heure actuelle. Dites-moi dans les commentaires, j'aimerais bien savoir. Je trouve qu'en fait, ces blisters-là que j'ai mis de côté, ça fait penser, enfin le taux de drop, ça fait penser un peu au taux de drop de Flamme Obsidienne, tout simplement, parce que finalement, Drac au feu. Dans Flamme Obsidienne, il n'en tombe pas tellement que ça. Enfin, voilà. D'ailleurs, en parlant de Dracofeu, je vais bientôt recevoir mes coffrets Dracofeu Premium en coffret.
Ça aussi, c'est pareil, c'est banger, ça va rentrer dans ma collection de scellés. Et en parlant de ça, il y a bientôt la nouvelle série qui sort, je crois, à la fin du mois, Faille Paradox. Bref, je suis pas trop emballé. Bref, on aura vraiment l'occasion d'en reparler. Mais en tous les cas, je sais que les kits AP de Faille Paradox sortent cette semaine, si je dis pas de bêtises, voire semaine prochaine, mais on va commencer à avoir les premiers visuels en français. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Je vous conseille vraiment de prendre un petit carton comme ça. Et à chaque fois qu'il y a des séries qui sortent, vous faire plaisir, acheter quelques blisters, les stocker et après vous faire un kiff plus tard. Vraiment, croyez-moi, c'est du pur plaisir dans quelques années. Dire tiens, hop, oh, ça va rappeler vraiment des bons souvenirs. Comme rouvrir du Origine perdue. Dire ah tiens, sur cette série, j'avais de la chance. Il y a des belles cartes à paquets. Voilà, ça commence à être des boosters entre guillemets vintage. Enfin, y a plein de possibilités. Je vous conseille vraiment de faire ça. Moi d'ailleurs, je vais continuer avec Flamme Obsidienne. Bref, avec tous les petits blisters que je vais trouver pas très chers à l'heure actuelle, qui après vont faire que monter tout simplement. Parce que si vous regardez les blisters, le style de combat. Enfin, il y a 1, 2 ans en arrière, c'est minimum 10 € sans compter Évolution Céleste, où on est bien plus haut parce que la série a vraiment éclaté. Et généralement, au niveau des restocks, il y a très peu de blisters. D'ailleurs, Point de Fusion, ça commence aussi à devenir assez rare en blister, blister tri-pack. Généralement, il y a pas mal de displays, pas mal de TB, mais tout ce qui est blister tri-pack, les gens, ils ouvrent, ils ouvrent, ils ouvrent. Et généralement, on n'en met pas de côté. Et après, il y en a beaucoup moins. Enfin bref, pour moi, c'est de très belles séries. En tous les cas, n'oublie pas de t'abonner, le petit like sous la vidéo et le commentaire pour pouvoir participer pour ce magnifique booster. On va arriver dans les fêtes. Je vais vous faire gagner un maximum de cadeaux, croyez-moi. Bref, pour ça, faut être abonné, t'as compris. On se retrouve demain pour une toute nouvelle vidéo. D'ailleurs, c'est un peu le bazar là. Chez moi, il y a beaucoup, beaucoup de Pokémon. Dites-moi si vous aussi c'est le bazar. Vous savez plus où ranger vos cartes Pokémon. Enfin bref. Du coup, on se retrouve demain. C'était Valou. Ciao!